sûrement. Bonjour. Et on n'a pas les allumettes? On est en route. Oui, mais c'était pas assez vite. C'est bien. Donc voilà, vous venez de voir un reportage sur nos portes ouvertes. Vous avez remarqué le monde qui avait le succès rencontré. Pourquoi ? Bien parce que tous les enfants sont en activité, que ce soit les petits, les moyens et les grands, et dans différentes disciplines, dont la salle, la cuisine, la boulangerie, la boucherie, la chocolaterie, traiteur, organisateur de banquets et la cuisine internationale. Donc voilà, nous sommes ici dans la cuisine Buren avec... des grands élèves de dernière année, donc qui sont ici depuis la première année. Et donc, l'objectif pour eux, c'est bien sûr de terminer leurs études pour avoir leur diplôme, mais alors aussi trouver un emploi. Il faut savoir que c'est important de retenir que le secteur de l'hôtellerie engage beaucoup. Et donc, les grands élèves de 6e ici qui ont maîtrisé les bases maintenant doivent se perfectionner pour entrer dans le métier dès demain. Donc voilà, Monsieur Surson, vous êtes professeur de boucherie-charcuterie. Oui. Et donc, vous avez aujourd'hui donc, des grands de 3e, 4e année. Oui. On commence à partir de la 3e. Alors, pourriez-vous me dire combien il y a d'études et quelles sont les spécialisations qu'ils peuvent éventuellement prendre lorsqu'ils ont fini leur année? Oui, donc en fait, ils ont ces 4 années, la formation professionnelle, ces 4 années, donc 3e, 4e, 5e, 6e. Là, ils auront un diplôme de boucher-charcutier-traiteur, mais froid. Donc ils peuvent servir un buffet, mais ils ne peuvent pas le livrer, mais pas le servir ou pas le réchauffer. Tandis qu'en faisant la 7e année, ils terminent le cycle des humanités secondaires et en plus ils ont un diplôme de boucher, charcutier, traiteur chaud. Voilà, ils peuvent fournir des banquets, les servir, etc., etc. Donc c'est un emploi garanti pour tout le monde. Ah bien sûr, oui, on a trop peu de bouchers. Il y a beaucoup de demandes et trop peu d'élèves, évidemment. Vous avez bien raison. Voilà, donc c'est une formation garantie, donc un emploi garanti. Donc voilà, comme vous l'avez constaté, l'école d'hôtellerie et de tourisme de la ville de Liège vous accueille. Les bras ouverts, les portes ouvertes, comme vous le voyez, on vous attend. Il suffit simplement de vous inscrire et de prendre les renseignements via notre site www.ehtliège.be. Voilà, au plaisir de vous retrouver bien vite. Il y a de la place chez nous et de toute manière, après une bonne éducation, une bonne formation, vous aurez un emploi garanti dans tous les secteurs des métiers de bouche. Voilà, merci et à bientôt.